Bon mec, est-ce que t'es chaud pour un braquage? Étape 1, on entre dans la banque. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, je veux retirer mon argent. D'accord, avez-vous un code? Oui, j'ai mon code. Il faudra aller au guichet juste en face. Non, je veux retirer mon argent. Allez au guichet, tapez votre code et vous aurez l'argent que vous voulez, c'est simple. On va reprendre, madame. Je veux ni de votre guichet, ni de votre code. Je veux retirer mon argent. Au guichet. J'en veux pas de votre guichet. Je veux mon argent. Écoutez, je vais en parler à mon responsable, je reviens. Étape 2. Tu distrais la secrétaire et pendant ce temps-là, moi, je file vers la salle des coffres. Dis donc, Joël, tu peux venir, s'il te plaît, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un client qui est lourd à l'accueil. Oh, bah, appelle Pascal. Ok, je vais le faire, merci. Il est où, votre ami? Celui avec qui vous êtes rentré. Bon, madame, je vois ce que vous essayez de faire. Vous êtes en train de m'embobiner. Mais c'est vous qui essayez de m'embrouiller. Mais vous êtes folle, madame. Vous voyez des gens qu'on ne voit pas. Je suis rentrée tout seule. Bon, maintenant ça suffit. Vous sortez. Non, je veux mon argent. Je resterai là tant que j'ai pas mon argent. Je vais passer un petit coup de fil à mes collègues. Allez. Je reviens. Allô, Pascal? J'ai un vrai problème à dehors. Je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Non, je reste en dehors. Vous voyez bien que vous embêtez tout le monde. Mais je ne partirai pas sans mon argent. Et bien vous irez le chercher dehors, votre argent. Allô? Joël? C'était pour savoir, il y a du nouveau? Non, rien, j'ai des clients, tu peux continuer. Ok. Étape 3, on sort juste comme on est rentré. Facile. Qu'est-ce que vous foutez, c'est pas... Mec, t'es sûr de ton coup là? Mais oui, ça va être super facile. La banque, elle est pas bien gardée, hein. C'est tranquille.